Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moins grands du monde. Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette vérité? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de problème? Dans le monde actuel, il y a tant de personnes sur cette terre dans des situations sans issue. Même dans nos sociétés riches et développées, combien de personnes en âge, des pauvres, des immigrés qui ne trouvent pas de marché, des personnes âgées, tout seules, malades, des familles en difficulté, combien de souffrances, combien de solitude. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il vous invite à prendre la vie de vos motifs? Bien au contraire, je pense. Il faut bien se rendre compte, il faut bien comprendre les paroles du Seigneur. Il prononce ces paroles, non pas en général, devant n'importe qui, mais dans une situation bien concrète. Et il s'adresse à ses disciples, aux 12. Il les a appelés et ils l'ont suivi. Et ils restent avec lui, ils l'écoutent. Ils sont touchés par son message, par son comportement. Et ils sont devenus ses disciples, ses amis. Et ils leur parlent de Dieu souverain. Il te connaît, dit-il. Je connais mon Père. Il dit que Dieu est tout proche, qu'il vient, qu'il veut habiter parmi nous. Son règne, c'est le cœur de son message. Le règne de Dieu est tout proche. Et si l'on accueille, tout peut changer. On commence alors à penser comme lui, agir comme lui, doux et humble de cœur, pauvre en esprit, compatissant et miséricordieux, artisan de paix, assoiffé de justice. On commence à découvrir le bonheur qu'on peut partager avec Dieu, vécu dans la simplicité et dans la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Non, Jésus ne parle pas à la légère. Il parle explicitement des difficultés, même des persécutions. Ce ne sera pas facile. Car ce qu'il propose, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais qui suscite aussi l'opposition. Il n'est pas évident d'accueillir Dieu dans sa vie et de se laisser faire par lui. Nous venons d'ailleurs à la première lecture de l'entendre dans la bouche du prophète Jérémie lui-même. Aujourd'hui non plus, il n'est nullement évident de devenir disciple du Christ. Et c'est dans ce contexte, et pour répondre à cette question, que Jésus dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est cela qu'il veut dire. N'ayez pas peur de l'Évangile. N'ayez pas peur d'être mon disciple. N'ayez pas peur d'être chrétien aujourd'hui. C'est être, chers amis, cette année, n'ayez pas peur. C'est cette parole du Seigneur que vous entendez aujourd'hui, le jour de votre ordination sacerdotale. Vous êtes tous issus d'une famille chrétienne. C'est là que vous avez entendu pour la première fois le nom du Seigneur. Mais vous avez bien sûr aussi parcouru, on vient de l'entendre,
proprement cheminé jusqu'aujourd'hui. Vous êtes devenus des disciples de Christ. Il y avait quelques douceur, quelle délicatesse on s'est rencontré là-dessus. Avec quelle douceur, quelle délicatesse le Seigneur a fait grandir dans notre cœur de devenir aussi comme des douze, des disciples missionnaires pour annoncer son évangile. Durant les années de formation, il vous semblait de plus en plus clair qu'il ne s'agit pas seulement de votre propre désir et de votre propre projet de vie, mais que c'est le Seigneur qui vous attire à lui, que c'est lui qui vous appelle. Vous lui avez déjà donné le oui lors de votre relation diaconale. Et si vous dites aujourd'hui à nouveau oui au Seigneur, c'est toujours encore à cause de lui. Tu insistes, cher frère, uniquement pour lui, pas pour d'autres raisons, pas pour d'autres raisons, uniquement pour lui et pour son corps qui est l'Église. Pour lui et pour aucune autre raison. Comme il a demandé à Saint-Pierre aussi, à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? La seule question qui importe pour devenir le berger de cette vie. Cette année, cette série, cette école, nous ne connaissons pas le monde. Il y a tant d'incertitudes et de défis dans le monde d'aujourd'hui. L'Église, elle aussi, se trouve devant de grands défis et cherche sa place dans la société actuelle. À la demande du pape François, elle s'est engagée sur le chemin synodal dont on connaît l'issue. Mais voilà que le Seigneur vous dit aujourd'hui à vous et à nous tous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur car le Christ est là. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme le dit saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Si vous devenez prêtre pour d'autres raisons que lui, je vous le dis, alors vous prendrez une grande mission pour lui. Car les épreuves sont inévitables. Mais si vous restez attaché à lui, des servants à la vigne, il sera avec vous, et son bâton te guidera. Non, n'ayez pas peur, n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul non plus, parce qu'un groupe de frères et sœurs qui vous portent. La preuve est ici, si non plus. Beaucoup de frères et de sœurs, on n'est jamais chrétien tout seul. Mais on n'est jamais prêtre tout seul. Il y a diversité de ministères et de charismes dans l'Église, mais nous partageons tous et toutes la même dignité que nous avons reçue lors de notre baptême. Nous sommes des chrétiens. Tout ministère dans l'Église est un service, et non pas un état ou un statut privilégié. Si le pape François nous invite à devenir une église plus fraternelle et synodale, c'est parce que c'est le seul remède contre toute forme de clericalisme. Restez donc, chers frères, restez toujours proche du Seigneur. Cherchez-le toujours, chaque jour. Cherchez-le dans l'écoute de sa parole. Cherchez-le dans la prière et la célébration de la liturgie, et particulièrement dans la Sainte Eucharistie. Cherchez-le aussi dans le peuple de Dieu. Vos frères et sœurs, ils dansent tous sur vous qui sont dans votre soin. Ne vous sentez jamais supérieur à vous. Oui,
s'est fait par l'ordination du Seigneur des nouveaux, des pasteurs. Mais vous ne cherchez jamais d'appartenir vous aussi au troupeau de cette vie. Nous n'avons qu'un seul, et nous sommes tous hergés. Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu beaucoup, à vous-même. De donner gratuitement.